Bumungu bote burukua ndani ya ule muntu. Eko na geuza mai na kuwa mvinyo bantu wanakunywa. Unaona? Non, Bantu wote watekunywa ile nchupa dasani bane acha. Banduku mimi napenda niuze hapa sasa. Mai hapa sasa tuone vile atafanya. Nilete hapa sasa. Okay ça va. In condition. Dada utuzi. In condition. Eko nalete ile mani kunefanya. Bien aimé, kama mimi nafanya ile mambo unaamini. Unatoka. Pardon. Bien aimé. Mama. Bien aimé. Akikata ile secret. Et puis na yala directement na kwa mfumo. Maki Yesu hana nini? Mimi nasema hapa maki Yesu mwaminisha amini ni wa biabongo. Parce que unaona ma incantation yake. Ça ne peut pas avoir l'effet pendant que je suis. Non. On amène le secret na mimi nasema ba ilete. Aikate iyale. Mimi na kwa mfumo. Romesho mtulizani. Ba téléspectateurs. Mukuru na ba pasteur yenu. Niku ne babeba ba pasteur yenu. Ni hapa tuone. Nione nguvu ya ule. Ya ule mfumo wa kikama. Nione. Beba. Ndakwa mfumo. Ekute mentena. Baba mukuru na sema si akaye. Ilimwambia ka Yesu asema geuza ribwe kwa nini? Iko mkate. Anaanza kimbia. Sikimbia nina chunga. Niku na chunga sisi. Mimi nasema tu ile secret kikuya anaikata inayala. Mimi na kwa mfumo. Ces incantations là, on les fait dans son dans sa morgue. Dans sa morgue, ça peut avoir l'effet. Mais ici là, jamais. Dans le monde, il y a les gens qui sont intelligents, il y a les voyous et il y a les moins intelligents. Dieu, dans sa forme de tout puissant, il peut devenir homme. Amen. Mais homme, jamais il deviendra Dieu. Vous comprenez? Mais les gens qui ne sont pas intelligents, ça les dépasse. Comment un Dieu peut devenir homme? Il oublie que Dieu est tout puissant. Et dans sa toute puissance, il peut devenir homme. C'est-à-dire, celui qui dit que Dieu ne peut pas devenir homme, c'est un voyou. C'est un peu ça. Il n'y a que la voyoucratie qui peut amener à quelqu'un à dire que Dieu n'est pas homme. Il n'y a que ça. Alors, je continue. Mais comment insister? Je continue. Il t'appuie pas TikTok. Éphésiens chapitre 2 au verset 5 à 11. Pour dire que si Jésus n'est pas Dieu, donc il n'y a pas de Dieu ailleurs. Et celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est un bâtard. Un bâtard. Voilà. Sa majesté populique mpiana, Élisée Moulouaï, Bénédicte Chilemba, Dokasi Michabu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes à Lubumbashi. Vous nous suivez à partir de Lubumbashi, la deuxième ville de la RDC. Nous sommes en République démocratique du Congo, un pays qui est au centre de l'Afrique, comme l'avait dit Franz Fanon, l'Afrique à la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Vous nous suivez à Lubumbashi sur la 97.0 MHz, la radio canal Lubumbashi. Vous nous suivez également sur la 615.25 MHz et également sur la 174.25 MHz. Vous nous suivez partout dans le monde, hein, sur la chaîne YouTube BKM12 Télévision. Allez sur cette chaîne, vous allez trouver tous les grands débats, toutes les grandes doctrines, n'est-ce pas, qui sont décryptées à travers bien sûr cette chaîne.
Et là, vous allez vous abonner à cette chaîne, vous likez les vidéos et également vous aimez. Donc, faites ces trois petites choses. Abonnez-vous, likez les vidéos et aimez. Et surtout, partagez dans les différents groupes pour que BKM12TV puisse avoir un plus grand nombre des abonnés. Deuxième partie aujourd'hui de l'émission, qui est Jésus-Christ? Parce que il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui prient dans les églises de réveil, ou évangéliques, protestantes, catholiques. Oh non, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. D'autres ont toujours dit qu'il est Jésus-Christ. Et Dieu lui-même qui s'est fait chair. Et pour les églises de Noirs, hein, qu'on appelle en Afrique du Sud Bantu prophètes, pour eux, Jésus-Christ était un imposteur. Alors nous allons continuer avec notre sujet, n'est-ce pas, en rapport avec Jésus-Christ. Parce qu'actuellement, beaucoup des églises de réveil ont toujours professé que Jésus-Christ, c'est le Dieu adorable. C'est le Dieu qui s'est fait chair, c'est le Dieu qu'on doit adorer jusqu'à aujourd'hui. José Nzita avait même chanté « Bon Dimakapé, Yeswazan Zambé ». Mupanga Moto ici à Lubumbashi, lui a même écrit « Jésus-Christ est Dieu ». Voilà, alors nous allons aujourd'hui recevoir les quatre invités. Le premier invité, c'est le pasteur, c'est Zakem. Zakem Esaïe Salela. Bonsoir pasteur. Bonsoir, merci de Champ John Sina. Vous allez bien? Très bien, mais je voulais vous demander quelque chose. Non, non, ne me demandez pas. Okay. Je sais, je sais ce que tu voulais me demander, okay. Mais c'est moi qui pose des questions. Okay. Vous allez me demander après l'émission. Merci. Voilà, alors pasteur Zakem, vous n'êtes pas d'une église maintenant là. Vous étiez un pasteur qui prêchait bien et tout ça, tout ça. Après, vous avez divorcé avec la Bible, vous ne prêchez que la Torah. Oui, je continue à prêcher, à enseigner correctement. Je prêche la Bible. Mais le point de référence final pour moi, c'est la Torah. Parce que même Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, il est venu accomplir cette Torah-là. Il n'a pas laissé le Nouveau Testament, il n'a pas laissé toutes ces choses-là, mais il a laissé le 5 livres de Moïse et les écrits des prophètes. Et il est parti. Donc voilà. Les autres livres-là sont écrits après lui. Alors voilà. Moi, je prêche ces livres-là. Alors, vous prêchez la Torah, oui. C'est ça? Oui. Alors, votre église, c'est un centre, hein? Nous sommes un centre d'études et de prières. Parce que nous ne sommes plus dans ces choses-là. Nous estimons que c'est de l'idolâtrie. Alors, nous sommes dans un centre d'études et de prières. Nous étudions et nous prions. Nous étudions quoi? Je répète, nous étudions la Torah et nous prions. Et nous croyons dans l'Éternel qui est notre Dieu et qui est un. Voilà, nous allons venir à vous. On reçoit les pasteurs du ciel. Non, non, oui, voilà, il faut tirer comme ça. Pasteur du ciel, bonsoir. Bonsoir, cher bienvenu. Je rappelle que vous êtes dissident du prophète vivant de notre temps, Kakou Philippe. Vous avez fui, on vous a chassé et tout ça. Là, vous êtes un indépendant. Dur que je suis dissident, oui, mais il fallait au moins dire l'ami de la vérité. Vous voyez? Non. Alors, les kakouistes ne supportent pas la vérité. Ce sont des malhonnêtes. Voilà, on va y arriver. Il y aura une émission élaborée. Comme ils ne supportent pas la vérité, voilà, aujourd'hui, je suis en train de dans cette émission, vous allez nous confirmer que Jésus-Christ, il est... Je confirme que Jésus-Christ est Dieu. Et si Jésus n'est pas Dieu, il n'y a point de Dieu ailleurs. Vous confirmez que Jésus-Christ est qui? Jésus-Christ n'est pas Dieu. Voilà, il n'est pas Dieu. Jésus-Christ est un homme qui est né, mais il a atteint un niveau spirituel très élevé. Il a présenté à Dieu un réceptacle qui a permis à Dieu de dévoiler la dimension que Dieu a dévoilée. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Pasteur bien-aimé Boaz Chimanga, donc bien-aimé, vous allez bien? Oui, je vais bien, bien-aimé. Je rappelle que vous êtes des doubles portions tabernacle. Double portion tabernacle. Une église de réveil. Non, non. Et non, une église du message. Du message. Vous prêchez William Marion Branham et vous êtes plus spécialisé dans les affaires des chambres, c'est ça? Oui, oui. Je suis dans le tout, mais quand je suis en train de parler pour ce qui concerne dans la chambre, c'est pour remettre les choses. Ah, ça c'est bien. Oui, oui. Alors, pour vous, Jésus-Christ est qui? Jésus-Christ est Dieu. Voilà, merci. Qui laisse-moi, m'a sauvé. Voilà, qui vous a sauvé. Laisse-moi accueillir sans lui, l'homme qui a toujours été au cimetière à tout moment. L'homme qui invoque les morts, qui invoque les ancêtres. Un sorcier. Bonsoir, ah, oui. Bonsoir, monsieur le sorcier. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour, bonsoir les Louchois, les Congolais, les Africains, les peuples de Dieu. Moi, c'est l'ancêtre incarné Kitobo Kayumba, l'homme des ancêtres.
le gardien du temple des prophètes noirs en Afrique unie, le grand chef coutumier. Un sorcier aussi. Je suis sorcier, je suis supérieur, je suis spirituel, je suis pasteur, je suis évêque, je suis pape, oui. C'est-à-dire je suis tout. Voilà. Maintenant, vous, Jésus-Christ, c'est qui? Jésus-Christ, je peux dire, c'est une invention romaine. Il n'a jamais existé pour moi. C'est une invention romaine? Oui. Il n'est pas Dieu? Dieu? Oui, il peut être Dieu parce que Dieu, ça signifie domination internationale européenne. Il peut être, oui, Dieu. Mais tu peux l'adorer aussi? Non, jamais, jamais. Toi, tu adores qui? Moi, j'adore Mfumu Kimbangu, j'adore Tatampa Dibuka Makengo Ntsuka, Kimpanvita, j'adore Wamba Wampungu Tulendo, Vijay Mukulu. L'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Depuis Rudisha, Makalandria, tu l'as fait au calendrier gréco-romaine, et tu l'as fait au Rudisha, n'a quoi, retour à zéro. A tu y a chiaka ta moutouma moutouburi à la ria moulesse, oh, ben en chôme, maumou, enfer, quoi. Faux du mensonge. Moutouburi, est-ce que moutouburi 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 Beko nasema kila siku kawa kwanza kusema hapa kawa kwanza kusema kama ba pasteur avende mon kaba mesela be avende mon chauffe la matinique a bien félicitations donc, j'adore ça donc mule mutuburi mule kama nenda muta sabele wena mapouvoir na wana chaba ntu asumburi donc yo ni kanuni ana to asema mu mapouvoir donc macho de jeune kala kawaji mashiku yangu kuwaji atapa ni ko hapa macho kuwaji mashiku kuwaji donc kama ni nyamule mimi niko nana nao parce que je suis l'ami des morts. Les esprits des morts, tu parles. L'ami des morts, pas les esprits des morts. L'ami des morts. Oui. Merci. On va commencer avec le pasteur Zakien. Merci. Alors, pasteur Zakien, Wenjo, à partir de Wenjo, tu as relevé le sujet à Jésus-Christ, tout ça. Alors, vous ne trouvez pas que on a porté ça avant tout. On est en conflit dans le pasteur. On a dit que Jésus, le monde, tout ça avant tout. Il a atteint une dimension spirituelle et tout ça. Ou ne pas rappeler, il est ma théorie. Merci beaucoup. Moi, je pense que Chebo tabatou na fata ba téléspectateur tout na dû construire na histoire ya famille ya bantu mo fulan na ile famille ni famille ya Israël les juifs nous construisons de l'histoire de cette famille là alors moi je trouve que balebanez ko tu expliquer muzuri ce qui s'était passé mo famille ambo ni parabo beñi ba juif et tous les pasteurs disent que Israël a été choisi comme modèle. Tous les pasteurs le disent. Mais de l'autre côté, ils refusent ce que Israël essaye d'expliquer Kubantubot. Donc, où le Miritosha, Miritosha ku Israël. Si je peux d'abord Kuinga. Ku Israël. Oranda ku Israël. Non, non. Miritosha ku Israël. Ah, j'aurai à comprendre au-delà de ce qui est dans la Bible. Oui. Pas seulement au-delà de ce qui est dans la Bible, et quand vous prenez la Bible elle-même, je peux déjà commencer. Oui. Vous prenez le livre de Matthieu. Non, commençons avec Marc. Marc parle de Jésus. Bon, je sais qu'on parle de Yehoshua Mashiach. Prenons d'abord Jésus. Marc, quand il parle de Jésus, il commence avec le baptême. C'est-à-dire, lui, il s'en fiche de la naissance de Jésus-Christ. Lui, quand il raconte l'histoire de Jésus, il commence avec le baptême. Et quand nous prenons Jean, quand il commence l'histoire de Jésus, il commence avec le témoignage des gens et il continue. C'est-à-dire d'abord les deux, ils ont fait un effort de refuser de nous retracer l'enfance et la naissance de Jésus, Marc et Jean. Et quand nous prenons Luc, Luc commence l'histoire de Jésus à partir de 12 ans, quand il était avec les sages, les maîtres en train de poser des questions et ainsi de suite. C'est-à-dire, lui aussi, il fait un effort pour ne pas nous parler de sa naissance et de son enfance. Donc, il commence déjà à 12 ans. Maintenant, qui nous parle de sa naissance? C'est Matthieu. Matthieu commence avec la généalogie. Et puis, il parle de la naissance miraculeuse. Et puis, il va nous parler du baptême et ainsi de suite. Alors, je prends d'abord la généalogie. J'aimerais que tous ceux qui disent que Jésus est Dieu me rencontrent d'abord dans les versets que je donne de la généalogie. Voilà. Regardez ce qui se trouve dans la généalogie. Il commence, il dit que Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il commence à descendre, il commence à descendre. Il arrive à un niveau. Il tombe sur Joseph. Voilà, il dit Jacob, le père de Joseph.
Et puis, l'époux de Marie de qui Jésus-Christ est né. Moi, la question que je pose, qu'ils me rencontrent dans ça, ils disent que Jésus, c'est le fils de David, parce que le Messie devait être de la lignée de David. Or, ce qui donne la lignée de David ici, ce qui donne la généalogie à Jésus, c'était Joseph qui devait lui donner la généalogie pour qu'il devienne fils de David. Parce qu'un enfant adoptif en Israël ne pouvait pas régner en tant que roi. Parce que le Messie doit régner en tant que roi en Israël. Alors, je pose la question. Ici, la généalogie que Matthieu présente, c'est Joseph qui doit normalement donner à Jésus la force de généalogie, la force d'être le fils de David. Alors, moi, je pose la question. Qu'on me dise en quoi est-ce qu'il est d'abord le fils de David? Parce qu'ici, déjà, celui qui devait lui donner ce pouvoir-là, c'est Joseph. Et on nous dit que Joseph n'est pas son père. Joseph, il est un père nourricier. Il est son père adoptif, nourricier, et ainsi de suite. Donc, or, en Israël, un étranger ne pouvait pas régner en tant que roi. Il ne pouvait pas être fils de David par Joseph. Alors qu'on nous dise d'abord à ce niveau-là. Parce que déjà, nous sommes en train de comprendre qu'il y a un problème. Parce que sa mère était suspectée d'adultère. Et ça, aucun pasteur ne pourra le nier parce que la Bible le dit. Joseph lui-même le suspecte d'adultère. Et il doit être fils de David par Joseph, pas par quelqu'un d'autre. Alors, si ils vont nous dire que non, c'est le Saint-Esprit qui est venu, c'est Dieu qui est venu avec lui. Bon, donc nous doutons de l'humanité de Jésus. Nous doutons de l'humanité de Jésus. Qu'est-ce qui lui donne le pouvoir de devenir le fils de David et de prendre le trône? Rien ne lui donne ce pouvoir-là. Et qu'on nous rencontre d'abord dans la généalogie et après quoi nous allons descendre. Et après quoi on va revenir sur ça. Nous allons descendre. Vous allez descendre. Mm. Nous allons donner la parole d'abord au pasteur du ciel. Hein, répliquer un peu par rapport à ce qu'il dit. Après, bien-aimé aussi va parler. Et après, on va continuer. Vous savez. Nous sommes sur la généalogie. Oui, généalogie. Rencontrer le pasteur Zachaire va partir là. Voilà. Vous savez, cher bienvenu. Et quand quelqu'un prend la Bible et lit ça comme un livre d'histoire, il aura que l'histoire pour fondement et ses paroles ainsi que ses idées seront toujours historiques. Vous voyez? Alors, je vais partir avec mon ami sur quelque chose qu'il ne connaît pas d'abord. Alors, la Bible, la parole de Dieu dit que si on est incapable de comprendre les choses terrestres, est-ce qu'on peut comprendre les choses spirituelles? Vous voyez? Alors, je viens, monsieur, bienvenue. Avant d'arriver ici à l'émission, j'ai apprêté une voiture. Vous voyez? Et la voiture m'a conduit jusqu'ici. Maintenant, je vous pose la question, monsieur bienvenu. Est-ce que j'ai commencé à exister à partir de cette voiture qui m'a amené ici? Non, c'est moi qui pose la question. Non. Vous savez, le chemin où je suis en train de partir, hein, c'est pour allez-y que j'amène. Oui, oui. C'est-à-dire, je n'ai pas commencé à exister à travers la voiture qui m'a amené ici. Je donne l'exemple. Nous voyons les tuyaux là-bas. Les tuyaux là a pris de l'eau quelque part et a acheminé de l'eau jusqu'ici. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que l'eau qui est arrivée ici a commencé à exister. Autrement dit, par vous voulez dire quoi? Voilà, je reviens dans autrement dit. Autrement dit, je voulais dire ceci. Jésus-Christ avait une double nature. C'est ce que les fils des démons ne comprennent pas. Les enfants envoyés par Satan pour hériter l'enfer ne peuvent jamais comprendre que Jésus avait deux natures. Il avait la nature de l'homme et il avait la nature des divinités. Alors, tout ça, c'est quoi? Jésus lui-même qui a fait cela, en fait que la semence de Caïn hérite l'endroit qu'il a prédestiné pour récupérer l'enfer. Vous voyez? Alors, en nature humaine, là, Jésus devait venir dans une famille. Parce que Jésus, rien n'a été impossible pour lui pour qu'il tombe directement du ciel et qu'il commence son œuvre. Mais il a suivi l'acheminement logique qu'un homme peut avoir. Parce que dans l'histoire de Sali, comme celui qui a fait à ce que l'homme tombe, vous voyez, ça a commencé Adam. Adam a fait, en acceptant l'enseignement de Satan, il a tombé par l'homme et il fallait qu'il y ait un nouveau Adam. Et le nouveau Adam, là, comme il avait pris la création, il devait passer par le chemin de la naissance. Mais
commencer à dire toute la généalogie là qu'on est en train de donner, c'est pour montrer que Joseph vient de quelque part et on attribue maintenant cette paternité à Joseph, afin que Jésus-Christ ne soit pas considéré comme quelqu'un qui vient de nulle part. Mais, ben, oui. Jésus est fils de David parce qu'il vient de la tribu de Juda. Vous voyez un peu ça. Alors, on nous a montré ici, il y a quatre évangélistes, les quatre êtres vivants. Nous avons Matthieu, nous avons Luc, nous avons Marc, nous avons Jean. Ces quatre personnages-là, chaque personne voyait ce qui l'intéressait. Celui qui était Matthieu a commencé avec la naissance. L'autre a pris quelque part, parce que tel que nous sommes ici, chaque personne a sa pensée. Donc sa vision, il focalisait pour savoir. L'autre, il cherche de la naissance. L'autre, il parle quand il a grandi. Donc chaque personne devrait le montrer de la manière que Dieu lui révèle. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit ceci. Dieu se révèle à chaque individu selon ce qu'il veut. Comme il s'est révélé à Moïse, ce n'est pas de la même manière qu'il va se révéler chez moi. Donc quand Dieu se révèle à vous, ce n'est pas de la même manière qu'il va se révéler à notre bien-aimé du ciel. Le pasteur Zachaire Esaïe avait dit que Zamani, hein, dans les temps anciens, les gens priaient seulement au nom de Dieu. Jésus avait la place d'un fils. Mais quand Branham est venu, c'est lui qui a embrouillé la situation. C'est Branham qui est venu nous dire que Jésus-Christ est Dieu. Qu'est-ce que signifie Dieu? Dieu, c'est un objet d'adoration. Vous pouvez avoir votre véhicule, c'est votre Dieu. Vous aimez votre femme, c'est votre Dieu. Donc, c'est pourquoi Dieu, c'est un objet d'adoration. Mais avant, Jésus-Christ avait la place d'un fils. Non. Mais quand Branham est venu, il est venu brouiller la piste. Il est Dieu. Je vais poser la question. Je pose la question au pasteur Zachem pour lui poser la question. Devant sa femme, il est qui? Marie. Il est Marie. Mm-hmm. Devant son fils, il est qui? Qu'il réponde. Père. Je suis père. Mais devant ton petit-fils, tu es qui? Grand-père. Grand-père. Vous êtes seul, mais vous avez des attributs différents. Devant votre femme, vous êtes son mari. Devant votre enfant, vous êtes papa. Réaction en deux minutes avant que l'ancêtre incarné puisse s'exprimer. Ma réaction, je regarde les téléspectateurs. Je n'ai pas besoin que vous puissiez vous perdre avec des termes tels que les fils de l'enfer, de Caïn et autres. Qu'on vous dise, qu'on vous explique et qu'on vous expose les idées. Regardez, j'ai posé une simple question. Je dis, en quoi est-ce que Jésus-Christ est fils de David? Parce que le Messie que vous lisez dans la Bible, il doit venir de la tribu de Juda. Et la tribu de Juda, la généalogie nous présente Joseph. Alors que Joseph n'est pas son père biologique. Joseph, c'est son père adoptif. Alors qu'en Israël, un enfant adopté ne pouvait pas régner comme roi. Alors, qu'est-ce qui lui donnait la légitimité en tant que fils de David pour qu'il puisse régner? On dit ceci, il avait double nature. Comprenez, chers téléspectateurs, que tout homme descend dans ce monde avec deux natures. Il y a des âmes qui viennent du monde de l'émanation, il y a des âmes qui viennent du monde de la création, il y a des âmes qui viennent du monde de la formation, il y a des âmes qui viennent du monde de la réalisation. Nous sommes d'abord deux âmes. Alors, lorsque ces âmes-là veulent descendre sur terre, ici sur terre, on fabrique le corps. C'est là qu'un homme et une femme vont se marier, vont commettre l'acte que bien-aimé aime expliquer, banapopola, comme lui il dit. Alors, il présente le corps. Donc, le corps que je porte ici, c'est mon père et ma mère qui me l'ont donné.
mais moi-même, je suis une âme qui vient de quelque part. Et l'âme, elle est divine. L'âme, elle n'est pas limitée par le contingent du temps et de l'espace, mais elle descend sur terre pour entrer dans le corps que mon père et ma mère m'ont fabriqué. C'est la même chose. Cela ne fait pas de Jésus un homme extraordinaire. Nous tous, c'est comme ça que nous venons dans le monde. Nous sommes une âme qui vient de quelque part, d'un monde. La Bible dit que la naissance de Jésus n'a rien à faire avec avec les croisements. Oui, oui. La Bible ne le dit pas. Non. Les Romains disent ça. Dites-moi que le Romain dit ça. Parce que je vous ai demandé l'autre fois que les pasteurs me rencontrent. Parce que Matthieu dit qu'il est allé vivre à Nazareth pour accomplir l'écriture que les prophètes avaient donnée. J'ai lancé un défi. Lubumbashi me suivent. Que tous les pasteurs de la ville de Lubumbashi et ceux qui sont là me rencontrent, me disent, me montrent quel est le prophète qui avait dit que le Messie va aller habiter à Nazareth. Il n'y en a pas un. Il n'y en aura pas. Ils ne vont pas trouver. Déjà, vous allez comprendre qu'ici, au niveau de Matthieu, il y a quelque chose qui louche, qui cloche. C'est pourquoi moi, quand j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai lu le Nouveau Testament avec des pincettes. Parce que dans le Nouveau Testament, on fait dire à Paul des choses que Paul n'a pas dit. On fait dire à Paul des choses que Paul n'est pas en train de dire. Parce qu'on comprend très mal. Parce qu'on lit peut-être en français, alors que peut-être lui le disait en hébreu. Alors que peut-être on avait écrit ça en grec. Et pour comprendre ce qu'on voulait dire là, c'était difficile. Donc, pour dire que Jésus avait double nature, nous tous, nous avons double nature. Non, mais lui, c'était sous l'onction. La grossesse, il n'y avait pas les concours d'un homme, comme je l'ai dit. Non, je suis donc, en train de... Donc, les Romains ont falsifié. Pas seulement moi. Je prends les Romains eux-mêmes. Je donne d'abord les sources qui ne sont pas des sources juives. Je laisse d'abord le Talmud à côté. Je prends des sources, vous tous, vous pouvez chercher. Nous avons Celsus. Celui que j'appelle Cels l'autre fois, a écrit un traité, vous pouvez chercher, qui s'appelle Aletes Logos. C'était dans la moitié du deuxième siècle. Cet homme ici, Cels, il raconte l'histoire de Jésus. Il dit que Jésus venait d'un village juif et puis il est né d'une paysanne qui souffrait, il raconte cette vie-là et il donne le nom de son père. Et il dit que le père biologique de Jésus, c'était Pantera ou Pandera. Et nous avons origine. Marie. Nous avons origine. Non, Stade. Sa mère, on l'appelle Stade. Dans le Talmud, on ne l'appelle pas Marie. On ne l'appelle pas Marie dans le Talmud. Dans le Talmud, on lui donne un autre nom. Parce que le Talmud, comme il a dit, la Bible, on ne doit pas lire comme une histoire. Non. Dans la Bible, il y a l'histoire. Et après l'histoire nous permet de comprendre le spirituel. Parce que si vous rejetez l'histoire, je ne sais pas comment, vous allez vous situer comment. Vous avez besoin d'abord de l'histoire, connaître l'histoire, et puis vous situer spirituellement. Donc, Jésus avait un père biologique. C'est pourquoi vous allez comprendre. Attendez. On donne un peu le temps aussi aux autres. Qui te voit parler, vous en faites pas. Une minute. Bien aimé, réaction. Réaction par rapport à ce qu'il dit. Jésus avait un père. Jésus n'a jamais eu un père biologique. C'est la naissance virginale. Dieu a choisi une vierge, la couverte de son ombre. Le père de Jésus, ce n'est pas Pandera qu'on est en train de dire. Même sa maman, c'est Marie, l'incubatrice. Mais ce qu'il raconte là, il a lu dans d'autres sources. Mais il n'a pas lu dans la Bible. Il nous parle des histoires, ces messieurs-là, du deuxième siècle. Donc, il ne connaît même pas la Bible. La Bible est romaine, selon lui. La Bible n'est pas romaine. La Bible n'est pas romaine. Voilà, merci. On va passer du ciel. Une minute aussi. Cher bienvenue, pendant une minute, je vais me concentrer sur l'essentiel. Vous voyez, l'apôtre Paul nous dit ceci. Quand nous sommes en train de voir la parole de Dieu, nous devons le voir ces quatre dimensions. Il dit la longueur, la profondeur, la hauteur et la largeur. Vous voyez? Alors si lui, il reste sur une place superficielle, je ne sais pas en quoi le débat aura lieu. Parce que d'abord, j'ai dit ceci, je reconnais un seul livre qui est saint, c'est la Bible. Toutes les idées qu'il va m'amener ici,
qui ne sont pas de la Bible, ça vient de l'abîme, et que c'est son père, le diable, qui lui a donné. Alors, je ne peux pas entrer dans... Pardon d'abord, je ne peux pas entrer dans un combat entre fils et père. Vous voyez? Alors, toute idée qu'il va me donner, qui n'est pas de la Bible, ça vient de son père Satan. Donc, alors, moi, je ne peux pas entrer dans ça. S'il me parle de Talmud ou autre chose là, je ne crois pas à ces histoires. Je crois à la Bible, qu'il m'amène dans la Bible et qu'il me confonde dans la Bible. Quand il va amener son histoire là que son père lui a révélée, je suis alors, qu'est-ce que vous répliquez par rapport à ce qu'il dit que... Je réplique par rapport à ce qu'il dit par rapport aux Romains. Hein, les Romains, ils ont taillé, n'est-ce pas, la Bible ça, à leur mesure. Ça, c'est taillé lui. Sur mesure. Mais si vous voulez bien comprendre Jésus, il faut aller chercher ses frères. Voilà, j'ai dit ceci, ça c'est lui. C'est une révélation venant de l'abîme, commissionnée par Satan. Et puis j'ai dit qu'entre fils et père, je ne suis pas dedans. Mais là, sur le plan moi, sur je le plan suis critique, qu'il me confonde par la Bible. Sur le plan critique. Oui. Est-ce qu'on peut attribuer le crédit aux propres frères de Jésus ou aux Romains qui sont venus là en conquérant pour des intérêts impérialistes? Vous savez, vous savez ce que l'Écriture nous dit. Colonisateur plutôt. Voilà, l'Écriture nous dit ceci. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Enseignée, formée, en fait que l'homme de Dieu soit dans la perfection. Moi, l'Écriture qui va me donner... Je vais me baser sur ça pour montrer si c'est là ou c'est pas ça. Les autres là, ça lui concerne. Toute écriture est inspirée. Ça dit c'est un livre, il est en Bible bien il y a une Bible moi. Écriture toute la Bible là. Mais hier c'est pas hier c'est pas une Bible ni un livre à mini bar changa changa. Oui, tout le monde sait ça. Voilà, merci. La Bible c'est l'ensemble des livres. Donc, c'est la bibliothèque. Je te convainc avec la Bible. Ah oui, je sais ça. Tout alors beau. Pour moi là, s'il me vient avec autre chose là, voilà. Ça vient de lui. Ça ne me concerne pas. Parler aussi. Jambo nous baba mama, bale mune tongara mu Lubumbashi, muko na comprendre réalité quoi puis vérité quoi. Kwa kwanza mi nona sa banana la mbele inje parce que banashinda ku prouver comment Jésus alikuwa kujiretrouver mkizazi kia nini kia David banashinda ku prouver banakuria kuria mkinyo banatatone kia dike una papa no amu prouver muta sema tulizana ushikwa jite kia na mwanome ushikwa jite bantu njoba tachije banashinda kufanya nini ku prouver mie mi nasema Yesu ashe existaka. Na asita kuyaka Mungu atashi kumuashi wezu kumuabudu. Ba mama, ba baba, mukaleni chini, mkunywe ni mai. Unipetani kunesplike. Mina anza na histoire. Tuku mde 2020. Ile 2020, banasema ni konteri barirudisha a zero wakati enfisu nuzee ne. Wakati enfisu nuzee ne, ule mtoto ule njina kini nani ni Yesu. Banturudisha konteri a zero, njo bananza kukonte. Mekama tunulize 2020 ni kalandrie kani? Kalandrie Roman. Quand on est dans le calendrier hébraïque, il est dans le calendrier juif, tout comme 5782 ans, Léo. Tout comme 5782 ans. C'est-à-dire déjà où un fils nous est né, un fils nous est donné, calendrier quoi remis à zéro, c'est une fausse histoire, il va romer, va refanini, va réinventer. Déjà, première preuve, l'histoire est une bongo, donc il va romer, va refanini, va réinventer pour quel objectif? Nasema. Bana inventer pour quelle mission? Ninjo conquérir monde. Bana inventer njo kwa kutuvuka, bana inventer juu ya kutawala. Leo. President wote wa Mwafriki ule ko chrétien. Nasema bien ule ko chrétien, njo akuye president il faut ende ku Rome. Ule president wote mu Afrique ule ko musulman, njo akuye president ba muyo il faut ende ku Mecque. Sasa terre sainte ya Afrique kwa. Njo le mipenda nyanzie po ile ya kwanza, ya pili mimi narudia ku kizazi kule papa anauliza. Yesu ni nani tumuyue ni nani? Mungu hawezi kuwa na kizazi. Ano kenju, Mungu hawezi kuwa na mama yake, mère porteuse, asiwezi kuexister. Mungu bandu kwangu angara hapa tuko hapa tupeko mayani. Ule Mungu anaomba mayani. Eh? Tushakuya se mtu wote kuna mantite yake mbili. Mimi baleniita ancêtre incarné ni mu français. Manake nkambola narudia, c'est-à-dire kwa mama yangu mie asina mama yangu. C'est-à-dire na yeye ni mère porteuse. Je peux expliquer ça. Mie njina niku nayo ni ya baba yake ya mama yangu. Donc mama yangu njole alinizala mimi nitaka papa. Baba yangu ule mwenye alimpaka mama mimba ni nitaka ba muku. Hawezi kunipika hivi niko hapa. Mko yake. Mama akinipika kinkonia nampika baba yake. C'est-à-dire je suis un ancêtre incarné. Sur le plan spirituel mishina na baba sina na mama. Ndio Mungu asizuka na baba asizuka na mama. Asiwezi kuwa na baba, asiwezi kuwa na mama. Mimi naenda mu Bible, nasema bien Bible version Louis II. Njole mimi kuna soma hapa. Genèse 16 de 3
16 vananzia patroati kufika ku 11 agar akamzala Ismaël ule agar wakati alimzala Ismaël Mungu akaleta naye malako njo kunatoka descendance ya religion islamique ya ba musulman aba mu reconnaître Yesu en tant que Mungu na we chrétien unapima hivi bobe kwa hapa apime kwenda ku mec ende na bible j'espère que atamu rejoindre Yesu à l'immédiat bakwabo batamuri aba mu reconnaître en tant que Mungu meni batoto ya nani batoto ya Abraham ule wanaita bababu muimani. Batoto yake Abraham, njo kunatoka Ismaël. Ile ule Ismaël njo kunatoka descendance ya nini ya ba Mohamed, kunatoka religion islamique. Mine enda kuleta tena verse nyine ba mama na baba wale mkuna itufuata. Genèse 18, 10. Tunamukuta Sara napata promesi ya batakatifu. Bale bankambo bari mtembele yaka bari falaka mwili boba ni baita seba Mungu. Ule nkambo moya analaka, anasema we utazala we Sara. Sara ananza kucheka. Ule nkambo la mwangara mbese utazala. Na bana toka barukoka batura bade bana toka banende ule moya ile swara ke dishaka pale. J'espère njo ari njaka mtumbo ya Sara. Ancêtre ule ankwa kudi incarner mtumbo ya Sara, anazalika banazala mtoto nani? Isaac. Oui, si wewe unewaita ba ange. Unewaita ba malaika, mimi mcha kwetu namuita nkambo. Kwa kwaki banakuria tu sa. Mimi mcha kwetu mina. Mimi mcha kwetu namuita nkambo njo malaika wa kumbingwa hawezi kula byakula ile mtu anepika. Jamais. Biku suye, bankambo yetu njua lewa na kura shinjo tunuronaka na bankambo njua yetembelaka na manyumba. Donc ile mambo ile kunafua pale mbunkambo shitu kune comprendre facilement. Bele bankambo yetu barikuyaka? Si bankambo yake njua lewa likuya. Banenda, banakuya, banalaka, uyu mwana bakiani, nyamu ntumbo anazalika mjina ya nani? Ya Isaac. Sima mjua, ni Mungu njua liba vizite. Si banase ni Mungu njua liba vizite, na shiba bankambo tulasima ni Mungu njua ni tuvizite. Mungu hawezi kuwa mtu. Jamais. Bana muzala Isaac, ule Isaac. La parole se fait cher. Oui, moi aussi je suis la parole qui s'est fait chair. Je suis la parole qui s'est fait chair. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Nani s'est fait chair. Bien-aimé Koka. Bien-aimé Koka, oui, mine chika. Bien-aimé Koka, il est ma système. Mie, avant ni kona mtoto wangu c'était la parole. Mina sema mimi nitaoa. Na mfuata bibi c'était la parole. Mina mwambia bibi faut tuzale. Bibi anechika. Tunapita naye kwa act, tunapika mumunofu. Mumunofu mule mnatoka mtoto. Cette parole s'est fait chair. Pas continuer. Oui, asa unyacha malari do eko na evangile ya byakweli. C'est-à-dire je continue. Ah bien aimé, na fundisha bitu pa kitanda mzuri sana. Biko na tu permettre mabibi wacha kututomboka hata tunakuwa na ma faiblesse sexuelle. Asa ina padia. Émission à 3 d'ailleurs. Oui, il faut regarder pale. Atusaide na kwanza kunyako ma spere kabuchungu. C'est bon, je continue. Mu descendance ya Isaac. Je suis venu à la Jésus. Ah, papa, tu ne vas pas à la maison. Je suis venu à la maison. Sans problème. Je suis venu à la par descendance d'Isaac, je suis venu à la Jésus-Christ. Je suis venu à Jésus-Christ, je suis David. Donc, il faut arrêter le trône à la David. Je suis venu reconnaître en tant que Mungu. Et puis, tu n'es pas venu à la parole. Tu n'es pas venu à Genèse 25. Tu n'en as pas un. Je suis venu à Genèse 25. Baba Abraham alimoa Ketura. Ule Ketura njo arizala kunatoka wa Krishna. Kunatoka descendance ya Babuda. Babuda wa mrekonetre Jezi en tant que Dieu. Na wawezi kumomba. Bote wale ni watoto wa mtu huyu moya Abraham. Descendance ya nini ya Abraham? Njo ya buivu wabo na njo kutafuta bukubwa na njo kutafuta marichese. Bote wanakreye nini ma religion. Bana kwa ile marelijio tena wao kuleta kwa Afrika. Bantu wangu wanaanza kuhangaika. Ole isa tuanze kufunda. Koma tunaweza kuanza kutunza. Na koma tunaweza kuanza foka hata mambo ni vita ituishie ku Kongo. Tukula disite na mambo moya ya bongo. Basi shibote vitu kwa baba mama na mwe wale mwe tushia shibote tutaoza. Tutakufua. Batoto wetu watawachia. Mune mutebachia nini? Mimi kama waamini Yesu tena mwanfer. Unasema? Utaoza na kaende kama waamini Yesu tena mwanfer. Oui, mimi techika kwenda mwanfer parce que ba budiste wote watenda mwanfer ya nini ya Yesu. Ba musulman bote watenda mwanfer ya Yesu. Ba chrétien nabo watenda mwanfer ya musulman. Ba musulman na ba chrétien watenda mwanfer ya Monsieur Bouddha. Ba budiste nabo watenda mwanfer ya Monsieur Yesu na Monsieur musulman. Sasa mimi africain, mimi tena mkilari ki mkifua cha ngambo wangu baba kimbangu. Donc tarudia tena ku dunia. Je m'en fous na ile nini yabo ile. Mimi narudia pa verset ya mwisho ni shepo na kuisha. Kisha shite rapidement. Oui oui, ni shepo na kuisha ndio tuinye mambo nyingine. Mimi nasoma Luc 1. Mimi naanzia pa 29. Minanza pas 28. L'ange entra chez elle et dit, je t'ai sali. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec vous. Malaika na monekania Maria. Ana mwambia. Nema inakufikia wewe mwanamke na kula mkia. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé,
ce que pouvait signifier une telle salutation. Maria na shanga, kumona malaika. Malaika na fuata mwanamke. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Unapata nema kumbele anani ya Mungu, ashikumambia kumbele a Yesu. Vers 31 asema, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Question mine va poser. Ni prophète kani ou l'arisema kasema mutazalo le mtoto njina ki takuya Yesu. N'avait tout peut définition ya mot Jésus. Michel Gouya se va retrouver en définition ya mot Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu parmi nous. Paka vina mina letra mi signification njina angu. Kitobo Kayumba qui signifie arbre prophète, Ngoi qui signifie incréé. 32 vanasema, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Mina rudisha kule mambo papa risema. L'Éternel Dieu lui donnera le trône de David son père. Ye moya akwe mtoto wa David. Ye moya akwe mtoto wa Marie. Ye moya akwe mtoto wa Très-Haut. Bo beko na ile inspiration spirituelle divin, banezu kutu expliquer. Eko mtoto wa David je, na atarenye patrone ya David je. Kama yeye, asina mtoto wa nani, wa Joseph, wa mkizazi kia nini kia David, ni mtoto wa Maria na nani, na Mungu. Mais Matthieu 1, maintenant, voici la généalogie de Jésus-Christ. Voici la généalogie. Voici la généalogie de Jésus-Christ. Angara kizazi kia Jésus-Christ. Mungu anezu kwa na kizazi yake, akwe na babofu. Mungu naeko na bamuyomba. Mungu naeko na basemeki. Mungu naeko na bansangaji. Mungu na mama maliki, ata mwe venye ba kretien, mwe ba kretien mune nyangari. Mune vya mini, je. Bien aimé, réaction. Mungu wa chesu kwa na babofu, mungu wa chesu kwa na beau-père. Kou pasteur mwe vi, malheureusement, il est déjà mort, un prophète là. Ya asema, kama Marie est la mère de Dieu. Donc la Marie est la mère de Jésus. Donc, bandugwaja Marie, mabofu a mungu. Asema, je. Mina asema yvi. Jésus achina na ba beau frère. Jésus est Dieu. Biblia inatuambia wazi. Biblia inatuambia wazi tubebe 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Beko na jikomplike pour rien. Mambo ya Biblia, aina mambo, savilo nenda kukuru biblique, unasoma ma histoire. Ile ma histoire isha kubeba realite mumwili ya Jésus Christ. Mina penda ni misome 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable. Ce fils-là, c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc quand Dieu c'est un objet d'adoration. La Bible dit dans Jean chapitre 4, la Bible dit Dieu est esprit. Parce que cet esprit ne pouvait pas mourir pour venir nous sauver. C'est pourquoi il a emprunté un corps, il a formé un corps dans le sein de Marie. Comme l'esprit ne meurt pas, il a fallu qu'il puisse mourir à cause de moi, à cause de vous tous ici. Jésus est mort à cause de nous. Alors, comme l'esprit ne meurt pas, il a fallu maintenant qu'il puisse prendre un corps de chair. C'est pourquoi il a formé son corps là dans le sein de Marie. Et pas la n'ingia muntumbo ya Maria. Oui, c'est un Dieu de paradoxe. Un Dieu de paradoxe. Mungu ananyonya. Donc il devrait être comme tout autre homme. Et ça va Mungu ananyonya parler. Oui. Qui gère les affaires là au ciel là. C'est lui-même, papa. Il est bébé et puis. Ce n'est pas blasphème, bien-aimé. Jésus étant Dieu, lui-même il règne. Comment bon, maintenant, quand on l'a enterré, qui dirigeait là-bas? C'était toujours lui. Il est omnipotent, omniscient, infini. Donc tout est en lui, la plénitude de la divinité était dans ce corps-là. C'est pourquoi vous voyez, les gens touchaient sa tunique, perte de sang inapoté.
inakatika bien aimé donc ni mungu moyo wa mastajabu muntu wa kiri wa kichwa hii asiwezi kumcomprendre donc wewe wewe Branham je vais vous fundisha Branham ananifundisha anatosha mu bible tuko na beba attendez bien mais attends tu me rappelle pasteur du ciel brûle le micro attendez ni sema hiki kimoya njoo ni mwachie ah rapidement Jean chapitre 14 papa Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Hein? Muntu, à quoi on dit? En quoi voulez voir? Il y a Katouba ou il y a Rabi? Donc, c'est pourquoi ce sont des choses qu'un homme charnel ne peut pas arriver à comprendre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On a ce qui est. Au Père. Écoutez, vous devez savoir qui est le Père et qui est le Fils. Écoutez maintenant. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Comme ils ne connaissent pas Jésus, il ne peut pas connaître aussi le Père. Écoutez maintenant. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus dit, dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Comment? Il était où? Il les connaissait comment? Ils l'ont vu où? Vous voyez maintenant, écoutez. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, le corps de Jésus avait caché l'Esprit de Dieu. Ce qu'on appelait Père, Père, était caché en Jésus. Tiens, pasteur Esaïe, notez ce qu'ils ont dit. Hein, y a, je pense que le stylo est là. Hein, tu peux noter ce qu'ils ont dit là. Comme ça, nous avons, voilà, vous en avez aussi. Ibi, bien aimé, c'est ma Ibi. À ce moment-là, moi et le Père, nous sommes un. Là, il a Philippe, depuis tout le mois, ça fait longtemps, on est Dieu dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus dit ça. Jésus, le corps là était le costume. Voilà. Là où Dieu s'est voilà. Cher bienvenu, la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette même parole de Dieu dit ceci, la prédication de la croix, c'est une folie pour la descendance de Satan qui est dans la perdition, mais une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Où est la descendance de Satan? Vous voyez, je... Où est la descendance de Satan? La descendance de Satan, c'est les, tout ce qui... Là. C'est... Voilà, vous, là, même, vous, vous, sont vous avez coéquipés. Même... C'est la descendance de Satan. Je... Voilà. Pasteur, j'avais un micro, c'est moi. Où y en est-on bien passé descendance à Satan? Il y a des descendances à Kakou. Et puis, il y a un petit peu de raison. Je sais qu'on a dit que Satan est un homme. Non, on parle. D'accord, je continue, vous voyez. C'est-à-dire que la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent, mais une démonstration de la parole de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Vous voyez ces choses ici. Si Dieu eux-mêmes ne les avait pas prédestinés à les comprendre, ce n'est pas moi qui va les faire comprendre. C'est-à-dire, leur prédestination, Dieu, quand il a créé l'enfer, c'est pour un but. Mais vous ne trouvez pas que... Mais non, je continue maintenant. Je réponds maintenant. Oui, je réponds. Oui. Double portion de vernacle. Je réponds d'abord. Il a dit là-bas qu'il est descendant de Kakou. Non. Ça ne vous dit pas qu'il y a l'esprit à Branham. Non. Il est vaccin. Non, je continue. C'est mon Kakou, mon vaccin à Branham. Non. Vous savez, ces choses ici, même si vous dites ça à l'oreille de quelqu'un qui ne doit pas... Je vais rentrer dans ce Torah pour montrer le nom de Dieu, c'est qui. Parce qu'ils sont en train de nous parler Dieu. On les a dit ceci, que Dieu, c'est l'objet de l'adoration. Cher bienvenu, si je viens devant de vous, là, je commence à vous adorer. Vous devenez mon Dieu. Comme les Kakouistes, ils adorent Kakou Philippe. C'est-à-dire que Kakou Philippe, c'est leur Dieu. Non, vous voyez. Nous parlons de Dieu tout-puissant. Oui, maintenant, le Dieu tout-puissant, qui il est réduisé, voilà. En un bébé qui non, est dans les maintenant, j'ai dit le Dieu tout-puissant là, qui il est. Mais il y a une question, je voulais rectifier par amour. Parce que si nous lisons la Bible, on nous cite les frères de Jésus-Christ, qui est Marc,
Bon, et les autres, Jude, tout cela. Pour dire que s'il y a le frère... Jésus avait deux frères. Il avait une mère. Par rapport à la chair. Ah. Pardon, je suis en train de venir. C'est moi qui ai venu avec les versets. Oui. Alors, je ne peux pas amener un verset qui va me pendre. Ça peut arriver. Je suis venu avec un verset, je sais défendre. Non. Je ne peux pas être bête comme ça. Ce sont les kakouistes qui font ça, pas moi. Ah, alors, je suis là. Si j'amène un verset, je sais expliquer ces versets-là. Il y a les frères de Jésus. Jésus avait même des sœurs. Ça veut dire qu'après que Jésus puisse quitter dans le sein de Marie, Marie et Joseph continuent à faire l'œuvre de lui, que bien-aimé dit là. Et ils ont eu des frères, ils ont eu des sœurs. Alors, passer par rapport à la chair. Mais Jésus là, c'est le Dieu tout-puissant lui-même qui s'est fait un corps dans Marie. Il est sorti dans le ventre de Marie sans le sang de Marie. Alors, je continue, mes chers bienvenus. Je prends son nom, je voulais savoir son nom, c'est quoi. Vous ne cherchez pas des informations auprès des frères de Jésus, les Juifs. C'est comme moi ici, je suis à Lubumbashi. Okay. Pour me connaître à fond, il faut voir mes frères. Okay. Je l'avais toujours raconté tout. D'accord. Je vais être en phase avec mon bien-aimé là. En phase, c'est-à-dire pas en contradiction, mais je vais rester dans lui. Vous voyez, lui, il croit à la Torah. La Torah, c'est la parole de Dieu. J'ai dit amen. Maintenant, moi là, je vais utiliser son Torah là pour montrer qui est Jésus. C'est-à-dire, le nom de Dieu là, c'est quoi dans son Torah? Je commence d'abord à Ésaïe et puis je vais rentrer dans son Torah. Je chute pour donner une minute, seulement. Rapidement. Je suis dans Ésaïe 52, le verset 6. La parole de Dieu dit ceci. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Je vais lui donner maintenant le nom de Dieu qu'il ne connaît pas. La Bible dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura à ce jour que c'est moi qui parle. Mais voici, maintenant j'entre dans son Torah. Dans son Torah, je suis dans Exode. Dans sa Torah. Je ne connaissais pas, pardon. Et merci pour la correction. C'est quoi dans sa Torah? Dans sa Torah. Dans sa Torah. Voilà. Oui. Dans sa Torah. Oui. Maintenant, dans sa Torah, je suis dans Exode 13. C'est là où je vais déceler qui est Jésus. Le nom de Dieu, c'est quoi? Dans sa Torah, c'est... Je suis dans Exode chapitre 3, les versets 13. Exode 3, 13. J'ai fait 30 minutes sans parler. Voilà. Moïse dit à Dieu, je vais donc vers les enfants d'Israël. Okay. Je leur dirai les dieux de vos pères. Voilà. Vers vous. Voilà. De vos pères, continuez. Mais s'ils me demandent quel est son nom, Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suit. Oui. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Voilà, maintenant rentrons dans le Nouveau Testament. Non, on va arriver. Je voulais montrer, maintenant je reviendrai pour montrer le je suis, c'est qui. Voilà. Je vais rejoindre d'abord bien-aimé, qui m'a vu... A vu le Père. D'abord, quand il dit qui m'a vu, a vu le Père, il y a déjà deux personnes. Et puis il dit, vous êtes avec moi, vous ne me connaissez pas. Il ne dit pas, vous ne connaissez pas le Père. Vous ne me connaissez pas. D'abord, je signale aux téléspectateurs qui nous regardent avant de rejoindre. Le bien-aimé ici qui vient de Kakou. Vous devez savoir qu'il avait brûlé la Bible. Il a donné pardon. Non. Les téléspectateurs doivent... Je sais là où je vais amener les téléspectateurs. Ah oui. Parce que lui, il a dit, on m'amène seulement les Écritures, la Bible. Comme si dans sa vie, il respecte la Bible plus que nous. Je ne brûlerai jamais ce livre saint. Chose que lui, il a fait. Il est là. S'il est honnête, qu'il le nie. Il a demandé pardon. Ok. Et puis... Il croyait en Kakouï pour dire que la Bible elle est fausse. Ce sont les brochures de Kakou qui étaient vraies. Il s'est repenti par rapport à ça. Il vient de brûler les brochures. Vous avez suivi l'émission. Il vient de brûler maintenant les brochures de Kakou. Alors moi, c'est à moi de lui poser la question. Tu te défends sur base de quoi? Parce que tu as déjà brûlé la Bible une fois et puis tu as brûlé les livres de Kakou. Alors, il va répondre. Je vais rejoindre maintenant. Parce qu'aujourd'hui,
Il risque encore demain de trouver un autre livre. Il brille encore, il brille encore. Lui, c'est sa vie, c'est comme ça. Mais nous, nous sommes focus. Alors, téléspectateurs, vous devez d'abord savoir qu'il y a des versets dans la Bible qui parlent de Dieu comme un homme. Et il y a aussi des versets dans la Bible, je donne un exemple. Il a fait l'homme à son image. Donc c'est comme si on parle de Dieu comme un homme. Il y a aussi des versets dans la Bible qui dit que Dieu n'a rien à voir avec l'homme. Par exemple, il y a un verset dans la Bible qui dit « Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir et pour mentir », ainsi de suite. Donc la Bible nous présente deux choses alors. D'un côté, Dieu est un homme, il est comme un homme, et de l'autre côté, il n'a rien à voir avec l'homme. Qui dit vrai ? Celui qui dit que Dieu est comme un homme, ou bien celui qui dit que Dieu n'a rien à voir avec l'homme ? Je donne réponse. Tous deux ont raison. En quoi est-ce que les deux ont raison ? Vous devez savoir d'abord savoir quoi ? Savoir que Dieu lui-même, il est au-delà de toute notion. Il est infini. Parce que quand vous dites qu'il est le Dieu d'amour, vous le limitez dans l'amour. C'est une limite. Mais Dieu, il est au-delà de cette notion-là que vous appelez l'amour. Attendez. Attendez, je vais là-bas. Je vais là-bas. Il faut que les téléspectateurs comprennent. Ils doivent comprendre ces notions pour que j'arrive là-bas. Dieu, il est au-delà de toute notion. Mais il voulait au moins se manifester aux hommes. Et c'est ainsi qu'il s'est... Il est arrivé à se restreindre dans ces notions-là. Et puis, il a formé une image pour que lui, Dieu, puisse se manifester passant par cette image-là. Et cette image, c'est ce qu'on appelle le Fils de l'homme. Ce n'est pas le Fils de l'homme comme Branham le renseignait. Et la définition qu'il donne, Dieu, c'est un objet d'adoration, c'est la définition de Branham qu'il avait lu dans un dictionnaire, qu'il me contredise. Mais Dieu, ça vient du mot hébreu Elohim, qui a été traduit par Dieu. Elohim ne veut pas dire objet d'adoration. Elohim ne veut pas dire objet d'adoration. Elohim veut dire Elohim. Elohim signifie beaucoup de pas. Elohim ne signifie pas celui qui existe par lui-même. Celui qui existe par lui-même. Non, attendez que je parle. Lui va me poser des questions. Chuter, ou bien vous allez réagir. Donc, je suis en train de chuter en vous faisant comprendre ceci. Dieu voulait maintenant se manifester. Et en se manifestant, comme il est infini, il n'a pas de droite, il n'a pas de gauche, il n'a pas de commencement et de fin, il est arrivé à se restreindre dans des notions, pas dans un homme, pas dans un corps. Donc il a formé une image qui sont des notions, l'amour, la justice et autres. Il y a des notions qui sont au niveau intellectuel et des notions qui sont au niveau sentimental. Et il a formé ce qu'on appelle le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, ce n'est pas Adam. Ce n'est pas comme Branham a défini, le Fils de l'homme, c'est un prophète. Le Fils de l'homme, c'est celui qu'on appelle l'homme primordial. L'image, la forme que Dieu avait d'abord prise, donc en se restreignant pour se manifester aux hommes. Et toute chose qui a été créée à cette image-là. Alors, quand on dit, moi et le Père, nous sommes un, c'est-à-dire, là, il ne dit pas qu'il y a une seule personne, deux personnes déjà. Il y a deux personnes. Quand il parle de moi et le Père, nous sommes un. Le Père, c'est une notion. Vous ne pouvez pas enfermer Dieu dans ce concept, la Père. Le Fils, c'est un concept, c'est une notion. Vous ne pouvez pas enfermer Dieu dans ce concept-là. Mais tu reconnais quand même que Jésus était monté au ciel. Il est allé s'asseoir à droite du Père. Ça, tu reconnais quand même. Ok, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire quoi ? Pour nous enseigner certaines choses, on utilise les images que nous avons pour parler de certaines notions. Quand on parle de la droite, ce n'est pas la droite comme moi, c'est une notion. La droite veut dire la bonté, la miséricorde. Quand on parle de la gauche c'est la rigueur, c'est la justice. Moi, je ne peux pas croire que Dieu, le Créateur, a la droite, a de gauche, a devant, derrière, comme la femme là qui avait dit l'autre fois, vous adorez un Dieu qui a des histoires. La femme là, qui comprend Braza. Oui, la il femme a de Braza. Il a exagéré. Bien aimé. Alors, donc, Dieu n'est pas comme ça. Quand il dit, moi et le Père, Dieu, nous sommes. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Mais Moïse avait vu
Dieu. Moïse a vu les dos d'un homme. C'est ce que moi je suis en train de. C'est ce que moi je suis en train. C'est ce que moi je suis en train de dire aux téléspectateurs. Bien aimé, dites des choses. Oui, je vous donne un exemple. Le jour où Samuel était dans le temple, il a entendu la voix, quelqu'un qui l'appelait. Pourquoi il est allé voir Élie? Parce que Dieu l'appelait avec la voix de Élie. Est-ce que vous savez que lorsque Moïse était devant le buisson ardent, quand il entendait la voix qu'il appelait, est-ce que vous savez qu'il entendait la voix de son père? Moi, j'ai des preuves, j'ai des sources. Son père biologique. Moïse a entendu, c'est la voix de son père biologique, il appelait. Déjà mort. Mais oui. Où c'est? Mort, pas comme vous pensez. Jésus lui pose la question, il dit ceci. Leur Jésus, il dit ceci, à propos des morts, il dit ceci. Vous dites que Dieu, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et puis vous-même, vous dites qu'Abraham, Isaac et de Jacob sont morts. Alors vous voulez dire que Dieu, il est le Dieu de morts, alors qu'il est le Dieu de vivants. Merci. Ces gens-là ne sont pas morts. Ils sont quelque part. Ces gens-là sont quelque part. Alors, nous utilisons le terme là, mourir et autres, pour les faibles. Quand Jésus parlait avec Moïse et Élie lors de la transfiguration, c'était quoi? J'étais quelque part. Non, quand il parlait avec Moïse et Élie, oui. C'est la vérité, c'est le réel. Même aujourd'hui, quelqu'un peut atteindre un niveau, il mérite la visitation d'Élie. Il mérite la visitation de leur Jésus. Parce que leur Jésus a dit, je serai en vous, vous serez en moi. Et il parle seulement comme ça. Mais personne n'a Jésus en lui. Il vous amène les théories. Jésus est en moi, il est en vous. Si vous levez seulement les doigts, vous croyez, il est en vous. Ce n'est pas... Dire que Jésus est en vous, c'est-à-dire il revient en tant qu'âme. Vous parlez. D'abord, allons lentement. Qu'il arrête de parler, il m'a dit. Qu'on soit quand même ordonné. Quand il parle, moi j'ai parlé. Allez-y, rapidement, chutez parce qu'il est tout. Quand on dit que moi en vous, c'est-à-dire il y a des âmes qui reviennent. Si cette âme qui revient, elle a terminé sa mission, elle revient pour aider les autres. Il y a aussi des âmes qui reviennent pour réparer les histoires. Maintenant, eux-là, les Moïse, les Élie, les Jésus, s'ils reviennent, c'est pour aider les autres. Et Jésus avait toutes ces notions-là. Et quand il disait à ses disciples, je reviendrai, je serai en vous, il parlait de son âme qui devait revenir, entrer dans une personne. Merci, Kitobo, vous avez la parole aussi. Ah, vraiment. C'est-à-dire, il parle beaucoup. Hein. J'ai constaté que, pour moi, vous me limitez. Hein. Non, qui parle beaucoup? C'est pas grave. C'est pas grave, yangu mi amu respecter mon cas. C'est bon, maman, moi je suis devant vous. Ni ko n'aimi pas ma preuve le scientifique, ni ma preuve le spirituel. Il est preuve spirituel ko mundani ya nini? Ya Bible. Jean ko dit que Jésus n'a jamais existé banashinda kunijibu. Parce que manasema un enfant nous est donné, il sera appelé père éternel bintu kan. Le compteur a été mis à zéro. D'abord, qu'est-ce qui prouve que c'est Jésus? OK. Le compteur a été mis à zéro, tout en allant à zéro. Mon venir en année à Jésus. C'est sur quel calendrier? Parce que mon calendrier juif, calendrier hébraïque, tout comme 5782 ans, Léoap. Mon calendrier kémite, tout comme 600. Mais mon calendrier romain, il va réussir à calendrier à 0, tout comme 2023 ans. Donc c'est-à-dire, il est historique fausse, parce que mon calendrier juif a eu à Rudiaka à 0. Il y a mon calendrier gréco-romain. Donc, Romain va leur tourner à Mamboyesu, il y avait à Bongo. Minanza kumujibu sasa, papa a reposé question, moi et le père, nous sommes un. Nikuna mujibu. De Corinthiens 13, minasoma kwanzia patroa, banasemae, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. C'est-à-dire, le Jésus là, bon, on est bien, Mungu, bari mutunji kanji ambubaya boaki, kama na cette faiblesse, il a été crucifié. Buzaifu ni bubaya. Muzaifu ni mubaya. Mina rudisha apotena. 1 Corinthiens 13,
3. Puis-vous chercher une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Ni nani ou le bar crucifié, ni mutombo ni galenga ni kimbangu. Faiblesse, yes. Muzaifu astahili kuria, manake bubaya. Katunona buzaifu ni mubaya. Ningari nikuenda kuuliza sema eti le roi des juifs. Bare mutujika sema yende mfalme wa Wayahudi, c'est qui sous la couronne? NRI. Okay, undi mfalme wa Wayahudi. Ana arijibu nini? Ashukuchika sema semo. C'est toi qui le dis. Wewe ndio unasema. Il va être roi de David alors qu'il n'a pas un père. OK, twende twende tu même vie normale. Est-ce que réellement Jésus a roi wa juif? Aritawala mu anekane. Aritawala mu anekane. Nani ulari mu? Non, pardon. Pardon, shivari muchongea banasema huyu mtoto atazaliko atakuwa mfalme wa nini? Wa Wayahudi. Ni mu anekane Yesu alikala mu trono. Watupe passage biblique que Yesu kui dunia alikufa acha kuikala pa kiti cha trono. C'est faux. Il a régné dans nos cœurs. Mais quand il entrait à Jérusalem, il règne dans nos cœurs. Hosanna, Hosanna à Daoud. Oui. Pas la régnée à Jérusalem, il est entré à gouverneur. Il y a une rapidité. Il y a une rapidité. Il y a une rapidité. Et puis, on a dit bien. Moi, je suis allé à Mpunda. Quand on a dit bien, on a dit Moufal, on a dit. Je suis à Mpunda, on a dit. Je suis pas à Tamakout. Ah, ah, on a dit. Comment on a dit Bouana à la Moutaka? Si Bouana à la Moutaka, on a dit gouverneur. Ni wako. Sharifu sema tasema Yesu anamtaka kama bakufia kumpika tupate lumenyari ndo wale mapunde. Saba ningari nikula jibu. Saba ningari nikula jibu. Mine nda mu nombre. Nombre 23. Mina nza kushite. Nombre 23. Le Seigneur en a besoin. L'Éternel vint au devant de Balaam et il mit des paroles dans sa bouche et dit: retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers Balak et voici, Balak s'étenait près de son holocauste. Avec le chef de Moab, Balak lui dit: qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit: lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils d'Éthiop. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Jésus n'est pas un homme ni un fils de l'homme. Mais Jésus-Christ, où le tunasema, il est le fils de l'homme. Hier, moi, on a prononcé mkinywa yake, le fils de l'homme sera crucifié. Mina soma dernier passage, ni bache ba pumujike bendeleche. Mina soma acte 5. Acte 5, de verset 29, mintaishi atapa 31. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Lui, Jésus, qui est Dieu. Et le Dieu de leurs ancêtres ressuscite ce Jésus Dieu-là. Comment? Il allait ressusciter par sa propre force. Il allait ressusciter par sa propre force. Karibu ba mitume yake bana seve na jibu bene bana zoambia mwa mnafundisha mjina Yesu ane bana jibu mzuri inatupasha kumtii Mungu kuliko kutii mtu. Mungu wa baba yetu, Mungu wa bankambo yetu alimfufula ule Yesu mwa muriua mnamtunjika yulu ya muchi njoo kumwambia sema hii bintu hivi ni vya bongo tena Yesu ashiku existe ba témoin de Jehovah bene tukuya sema Yesu alimpopola kumuchi hivi. Bakretia wanetukuya wakatolika Yesu walimpopola kumuchi na nini? Kumusalaba. Aba baba tabernakle na wabatetuambia Yesu walimpopola kumuchi, kani kupoto ya jika ni kumuchi ya embe. Voilà, merci. Bien aimé. Avant le passé du ciel. Ok, bien aimé. Réaction. Miko na jibu hivi, Jésus Christ njo Mungu. Mungu lewe kona se Mungu, Mungu mirubambia sema ni objet d'adoration. Dieu est esprit. Voyez, cet esprit-là était en Jésus. La plénitude de la divinité. Bumungu bote burugwa ndani ya ule muntu. Eko na geuza mai na kwa mvinyo bantu wanakunywa. Voilà. Mais mufumo ni sufa. Mentre no. Mufumo ya ule sufa vile. Mufumo gani? Ya bongo. Ndizi nye na ota shiku mwa hindu sankararanda kufanya. Papa biene me utendelesha. Batoto bakutample musha kuvivre miracle. Okay. Miye mina geuzaka. Bana leta kal bana banesukuleta ta secret
ya kipande hivi kipande mimi naibeba mimi naeka munchupa ya dasani na tenkesa ipan inayala bantu wote watekunywa ile nchupa dasani baneacha banduku mimi napenda niuze hapa sasa mai hapa sasa tuone vile atafanya nilete hapa sasa okay tuone. Ça va a une condition. Dada utuzi. A une condition. Eko nalete le mani kunefanya. Bien aimé, kama mimi nafanya le mambo unaamini. Unatoka. Pardon. Bien aimé. Mama. Mama. Bien aimé. Bien aimé. Cher bienvenu. Mina sema hivi. Akikata ile secret. Et puis na yala. Directement na kwa mfumo. Maki Yesu hana nini? Mina sema hapa paka sai. Mina sema hapa maki Yesu mwaminisha amini ni wa biabongo. Parce que unaona ma incantation yake. Ça ne peut pas avoir l'effet pendant que je suis là. Non. On amène les secrets. Na mimi nasema bailete. Aikate iyale. Wewe nani? Mimi nakuwa mfumu. Niki vraiment ikikata tu yale na mimi nakuwa mfumu. Paka sai sai. Okay, sawa. Mtu sasa depuis chaenda. Simujibu. Sinijibu bwana sema. Ba téléspectateurs. Mtulizani. Ba téléspectateurs. Moko nona ba pasteur yenu. Nikune babe baba pasteur yenu. Ni hapa tuone. Nione nguvu ya ule. Ya ule mfumo wa kikama. Nione. Beba, ndakwa mfumo. Ekute mentena. Baba, moko na sema si akaye. Ilimwambia ka Yesu asema geuza ribu ekwe nini? Ikwe mkate. Anaanza kimbia. Sikimbia nina chunga. Anaanza kimbia. Niko na chunga sima. Mimi nasema tu ile secret kikuya anaikata inayala. Mimi nakwa mfumo. Ces incantations là, on les fait dans son dans sa morgue. Dans sa morgue, ça peut avoir l'effet. Mais ici là, jamais. Non, qui parle, moi j'ai besoin de... Bon, ok. Allez-y. Zangaria, mais tu arrives à Zangaria, soit une deuxième partie. Mais quelle réponse? Allez-y. Moshiki. Hapa banasema ni mambo ya Paul. Paul kononesha koma ba Rome, Mungu alibavegle e ba Juif, Mungu alibavegle njuu yetu shei tuokolewe. Kama leo ba Juif banashinda kuamini Yesu, ni njuu yetu shei ba mataifa tuamini. Bari bavegle. Okay. Rapidement. Verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Donc, bobe bon atayabo il est boba tamini. Cheye, tu namini ni wakati boba la baveglé. Jésus est venu pour eux, mais barikata la kumupokeya. Mais maintenant, on a tout ma regard couché bantu ya mataifa. Njoo pale tunamwamini. Wakati tunamwamini Yesu Kristo, ni njoo tunamwaminia kama mwokozi na mfalme wa manafsi yetu. Bana sema Jésus arirenye wapi? Jésus anarenye ego na renye mu maro yetu. Parce qu'il y a rien qui prouve que c'est l'enfant de David. A maman vous démontrer. Mutoto wa Daudi. Jésus est mutoto wa Daudi kufuatana juu ya tribu de Juda aina David armuzala. Na ashukurenye hii royaume ya kuya bagisha ya buroa. Hapana. Na la Biblia dit il régnera sur le trône de David. Ari régné ari pasha kurenye ndani ya maro. Eko na régné ndani yangu. Ana régné ndani ya banduku. C'est ça. Ananza lomba formule kwa haitapita. Leo parlez vite, j'ai besoin de parler c'est moi. C'est pourquoi, bien aimé, dans les distractions. Tout le monde a mis les yeux Jésus-Christ Njo Mungu Mujima, l'incarnation de Dieu. Okay. Dieu s'est fait chair et habité parmi nous. Nous l'avons touché. C'est voilà. Jésus. Cher bienvenu, ils ont dit qu'on n'a pas pu démontrer l'origine de Jésus-Christ, en quoi il appartient
en quoi il est fils de David. Voilà. Ça, c'est la première question. En quoi il et doit où être est le trône là qu'il avait, sur quel trône il avait régné. Aussi les Nazareth. Maintenant, je suis là, je vais te montrer que Jésus a été fils de David par une appartenance. J'ai lu la Bible, c'est la Bible qui le dit. Je suis dans Ésaïe chapitre 7, sucré verset boule. 13. Verset 13. Non, Mounsniambri Mbelenyonye chez Jésus. Voilà. Il a dit que le fils de David là, c'est venu d'où? Vous voyez? C'était venu d'où? Alors je suis dans Ésaïe, chapitre 7, le verset 13. La Bible dit ceci. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes que nous lassions encore elle? Et nous l'assurons encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà l'origine de l'appartenance au tribut. Posez-lui la question. Jésus est où là-bas? Pardon, je continue. Okay. Emmanuel, c'est les filles de Dieu parmi nous. Là, c'est la signification. Les jeunes filles qui enfantent sont nombreuses. Il a dit que Jésus a eu l'appartenance de la pénite de Jida. Comment? Vous voyez, selon la géologie de Jésus-Christ. Je montre que ici, là, cette généalogie-là a été donnée par Dieu lui-même. Et il a dit ceci, si je donne ça, je vais vous donner aussi un signe afin que vous puissiez reconnaître que celui qui viendra sera de la tribu de Juda. Comment une jeune fille deviendra enceinte sans homme? Je continue maintenant. Il a régné où? Pardon. Il a régné où? Oui. Je suis là. Il a régné où? 10 secondes. Oui, non, pas 10 secondes. J'ai parlé pendant... Non. Il a régné où? Jésus, la Bible déclare, comme ça. Après l'enlèvement, Jésus viendra régner en fils de David sur son trône pendant 1000 ans. C'est-à-dire c'est un millénium que Jésus va régner sur le trône de David comme roi pendant 1000 ans. Mais à part cela, il y a une question. Après. Oui, c'est après et pas pendant qu'il était sur la terre. Ce n'est pas encore arrivé. Il viendra régner pendant 1000 ans sur le trône de David. Et puis. C'est quel trône? Aujourd'hui, c'est quel trône? Aujourd'hui, il n'a pas régné sur la terre. Il n'a pas régné pendant qu'il était là. Il est venu d'abord sauver. Maintenant, il va venir régner pendant 1000 ans sur le trône de David. Je veux savoir, le trône là, c'est les États-Unis. C'est au monde, partout au monde. On dit que c'est pendant 1000 ans, il sera lui-même roi. Non, c'est pas fini. Merci. Il y a une question qui était restée, vous m'avez dit, je vais rentrer. Là où j'ai donné le nom de Jésus. Non, je vais terminer. Il va revenir le nom après. De Jésus. D'abord, de la Dieu. Bible, la Bible Pardon, qu'il avait brûlée. D'abord, le nom de Dieu. Le nom de Dieu, j'ai laissé ça dans Exode, Exode 3, 13. Là où Moïse, on le dit, quand on va partir là-bas, on va dire c'est qui? Il a dit, c'est, vous direz que je suis. C'est-à-dire, le nom de Dieu, c'est je suis. Ah, ok, d'accord. Je n'ai pas fini, je dois démontrer ça. Les je suis là, c'est qui? Merci. Bienvenue, ne me laissez pas, ne me coupez pas. Donnez-moi une minute. Merci. Donnez-moi seulement une minute dans mes minutes. Hasta Isha, Tana Semadje, Hasta Isha. Non, une minute dans mes minutes. Non. 30 secondes. Il va rien dire. Bienvenue, je demande 30 secondes. Je suis dans Jean. C'est ma tout. Maintenant, quand en Exode là, quand Dieu a dit à Moïse, tu diras que Jésus m'a envoyé. Vous voyez, c'est là mon nom. Maintenant, dans Jean chapitre 8, au dernier verset là, il a dit que vous êtes le fils du diable. C'est pour cela que vous ne comprenez pas. Comprenez par là que tous ceux qui ne comprennent pas sont des fils du diable. Et il a dit, quand Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. Il a tressailli de joie. On lui a dit, toi, c'est quoi? Il a déjà. Dit, moi, c'est moi, je suis. Vous voyez, c'est moi, je suis. Pour dire que celui qui a manifesté, je suis, c'est Jésus-Christ. Merci. Pour Merci. Dire que le véritable Dieu, Allez-y. C'est Jésus. Allez-y. Et si Jésus n'est pas Dieu, il n'y a pas de Dieu par en ailleurs. Comme ça, on passe aux conclusions. Voilà. Merci. D'abord, les téléspectateurs, oui. Comprenez. Comprenez d'abord. Il y a une troisième partie. Troisième round. Merci. Laissez-moi les minutes. Les minutes sont en train de passer. Ah. D'abord, le verset qui vous donne des Exodes. Dieu avait donné son nom. Il l'avait écrit. YHWH. C'est ça le nom que Dieu a donné. Ce n'est pas le Je suis là qui est le nom de Dieu. Le nom de Dieu que Dieu avait donné, c'est YHWH. C'est ça le nom de Dieu.
Mais quand vous lisez dans Louis II, vous n'allez pas retrouver ce nom-là. Lorsque vous lisez dans d'autres Bibles, vous n'allez pas retrouver ce nom-là. Je reviens d'abord, que vous puissiez leur poser la question. Qu'est-ce qui devait sauver avec les Jésus-là? Est-ce que Jésus, en tant qu'homme qui doit mourir, est-ce la mort de Jésus qui sauve? Ou bien les dieux-là qui étaient en Jésus-Christ qui sauvent? Qui sauve réellement? C'était ça le problème. Et ils doivent savoir, le Messie pouvait ou il ne pouvait pas mourir. Jésus pouvait ou il ne pouvait pas mourir. Jésus est mort parce que même Jean-Baptiste, qui devait le présenter, n'a pas cru en lui. Si Jean-Baptiste lui-même, le précurseur, n'a pas cru en lui, lui qui devait le présenter aux hommes disant « le Fils de Dieu est là », il n'a pas cru en lui. Mais il a dit « voici l'agneau de Dieu ». Mais il a posé la question après. C'est comme s'il s'est trompé. Il a dit aux gens, allez d'abord lui demander, après, est-ce que c'est lui, oui, c'est pas lui ou bien ce n'est pas lui? C'est-à-dire lui-même, il a douté, il n'a pas cru en lui. Le problème c'est lequel? Dieu ne deviendra jamais un homme. Lorsque Dieu, vous faites de Dieu un homme, c'est de l'idolâtrie. Et un homme ne deviendra jamais Dieu le créateur. Donc Jésus-Christ ne sera jamais Dieu. Il ne sera jamais c'est Dieu. De Branham qui a... C'est d'abord Branham. Qui a amené ces choses-là, il a emballé tout le monde dans cette idolâtrie-là. Et quand on parle des gens en enfer, ils sont en enfer. C'est d'abord Branham qui est en enfer. Et j'ai dit ceci. Oui, il ne peut pas être ailleurs parce que c'est un idolâtre. Dire que Dieu est un homme, c'est de l'idolâtrie. Un homme, ça, c'est de l'idolâtrie. Lumière au-dessus de sa tête. C'est lui d'abord. Et puis dire aussi qu'un homme devient Dieu, c'est de l'idolâtrie. Je vous ai donné l'exemple l'autre fois. Laissez-moi donner cet exemple. Israël, à chaque fois qu'ils avaient un problème, ils allaient voir Moïse. Pourquoi ils allaient voir Moïse? Parce que Israël a vu que tout ce que Dieu faisait sur terre, il le faisait par Moïse. Laissez-moi. Il le faisait par Moïse. Tout ce que Dieu faisait sur terre. Et à chaque fois qu'ils avaient un besoin, ils allaient vers Moïse. Regardez la réaction de Moïse. Moïse leur disait, vous provoquez Dieu. Il provoquait Dieu en quoi? En allant s'adresser à Moïse, en laissant Dieu. Parce qu'il faut chercher à comprendre le point de rencontre entre l'association entre Dieu et son serviteur, son représentant sur terre. Il faut chercher le point de rencontre entre Jésus et Dieu. Et lorsqu'on ne trouve pas ce point de rencontre là, on tombe dans l'idolâtrie. Mais... on fait d'un homme Dieu, au lieu de s'adresser à Dieu, on s'adresse à un homme. Merci, Pasteur Isaïe. Et Moïse regrettait, il disait, non, vous provoquez Dieu. Et tous ceux qui s'adressent à Jésus, au lieu de s'adresser à Dieu, le Créateur qui a envoyé Jésus, ils sont idolâtres, ils provoquent conclusion. Dieu. On est à la fin. Chacun maintenant a 3 minutes pour conclure. Je suis en train de chronométrer. Qui l'a monté dans 3 minutes, je dois conclure. Tout le monde a bien aimé. Conclusion. Philippiens chapitre 2. Et on rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs qui doivent la troisième partie, il y a eu débat. Donc ça va encore continuer. En commençant par le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi celle des autres, ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, c'est Jésus qui s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Écoutez, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu.
Merci. Votre numéro d'appel, voilà. C'est le 0. Numéro d'appel, oui. 0999 0999 555 44 voilà, 1. Merci. Pasteur du ciel. Le pasteur de la double portion. Expert en quoi? Expert en dumbalistique. Ah, je bien. Vous expert en dumbalistique. Le pasteur de la double portion tabernacle. Évangile Marteau, expert en dumbalistique. C'est passez du ciel. Ok. 3 minutes, rapidement. 3 minutes. Tout, cher bienvenue. Soma, expliquez tout. Mais c'est sommaire, quoi expliquer? Cher bienvenue. Non, il ne peut pas. Jésus est puissant ici, il ne peut pas. Jésus, on l'a défié, on l'a dit si seulement il pouvait devenir, on deviendra les. Bandoukou, minta réagi. Minta réagi. Laissez 3 minutes. J'ai dit ceci. Cher bienvenue. Dans le monde, il y a les gens qui sont intelligents, il y a les voyous et il y a les moins intelligents. Dieu, dans sa forme de tout-puissant, il peut devenir homme. Amen. Mais homme, jamais il deviendra Dieu. Vous comprenez? Mais les gens qui ne sont pas intelligents, ça les dépasse. Comment un Dieu peut devenir homme? Il oublie que Dieu est tout-puissant. Et dans sa toute-puissance, il peut devenir homme. C'est-à-dire, celui qui dit que Dieu ne peut pas devenir homme, c'est un voyou. C'est un peu ça. Il n'y a que la voyoucratie qui peut amener à quelqu'un à dire que Dieu n'est pas homme. Il n'y a que ça. Alors, je continue. Je continue. Mais comment insister? Il t'appuie pas TikTok. Je continue. Je n'ai pas cité quelqu'un. J'ai dit seulement celui qui dit que Dieu ne peut pas devenir un homme, c'est un voyou. C'est seulement ça. Parce que celui qui a tous ses sens, il sait que Dieu, en état tout puissant, il peut devenir homme. Mais un homme ne peut pas devenir Dieu. Merci, numéro d'appel. Non, je n'ai pas dit, c'est 1 minute, vous avez dit 3. Non, maintenant, vous avez, je reviens. Ok, je donne seulement. Oui. Ésaïe 45, verset 22 à 23. On dit que c'est lui, votre Dieu, le Dieu éternel. Hein? Tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Seigneur. C'est ce qui est venu confirmer dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 au verset 5 à 11 pour dire que si Jésus n'est pas Dieu, donc il n'y a pas de Dieu ailleurs. Et celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est un bâtard. Un bâtard. Voilà. Mais c'est bon, Kakou vous a appris à insulter facilement. Kakou Philippe, c'est un imposteur. Il ne peut pas m'apprendre ce que je peux faire. C'est un voyou. Voilà. Alors, le numéro d'appel. Piste 243 099 0095 019. Tito, on va clôturer. On va clôturer avec vous parce que vous êtes. Vous invoquez les esprits. Il faut d'abord donner l'occasion à ceux qui n'invoquent pas les esprits de parler. Comme ça, vous qui invoquez les esprits, qui allez au cimetière, vous allez parler après. Si la fait remplir ça, on devait devenir des bafoum. Alors, je suis en train. Je les laisse d'abord parler, puis je vais. Allez-y. Je suis en train de me poser la question, vous téléspectateurs, vous étiez en train de nous suivre, qui est intelligent et qui est inintelligent. D'abord, quand on parlait français, à la place de l'est, il a mis là. À la place de là, il a mis là. Non, il a parlé de l'intelligence. Il ne faut pas que lui, il parle, prétendre connaître plus que Kakou, alors que Kakou parle bien français que lui. Kakou est très intelligent que lui. Parce que lui, Kakou l'a amené à brûler la Bible. Non, Kakou l'a amené à insulter. Kakou l'a amené à insulter. Pas des attaques précises. Ok, la conclusion, c'est que les téléspectateurs, vous devez savoir que Jésus est né un jour. Il est né, il a un père et il a une mère. Sa mère, dans la Bible, elle s'appelle Marie. Dans la Bible, sa mère s'appelle Marie. Marc, c'était. Pour nous parler de sa naissance, Marc dit, non, ça je ne vous dis pas. Jean, pour parler de la naissance de Jésus, il dit, non, moi je ne vous dis rien. Luc, pour parler de la naissance, il dit, non, moi, là c'est compliqué, je ne vous dis rien. Matthieu vient, quand il nous parle de la naissance, Matthieu se complique, il nous donne une généalogie de Joseph. Et la généalogie que Matthieu donne prive
Jésus, la royauté de David. Parce qu'en Israël, un fils adopté ne peut pas régner comme roi. Parce que le vrai Messie, il va régner comme roi en Israël. Ce n'est pas aux États-Unis. C'est quelqu'un qui va régner comme roi en Israël. C'est le Messie qu'on attend là-bas. La prophétie n'est pas encore réalisée. Cette prophétie-là. Mais les Juifs attendent. Attendent jusqu'à aujourd'hui. Parce que le vrai Messie pour eux, ça doit être le fils de David. Et il va régner où? Il va régner en Israël, à Jérusalem. Parce que c'est le fils de David. Dieu ne peut pas être un homme. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais Dieu, il se dévoile, il se révèle. Et quand il veut se révéler, il prend des réceptacles, des récipients. Il passe par les hommes. Et la dimension que vous voyez, un homme manifesté de Dieu, n'est pas tout Dieu. Si Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un, ils sont un dans la volonté du Père qui l'accomplissait. Parce que quelque part, il dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. C'est de cela qu'il parlait quand il disait « Moi et le Père, nous sommes un ». Il parlait de ce que le Père lui a demandé de faire. Et tout ce que Jésus a manifesté sur terre n'est pas tout Dieu, c'est juste une dimension. Ils disent qu'il est Dieu parce qu'il a marché sur les eaux. Le papa que vous avez vu dans la conférence là, il entre dans les eaux, il a eu à marcher sur les eaux. Si c'est ce qui fait d'un homme Dieu, donc le papa, rappelez-moi le nom, le papa, papa Kelongolwe, là, pour vous qui me suivez, il est Dieu. Il parle de miracles, mais les prophéties. Il y a des gens qui disent même que Branham est plus grand parce qu'il donne des... Ah, bah, l'eau, en tout cas, vous avez un gouaba, bah, l'état, ma tabiri, y'a naïaboule, na bilato, na ma chaussette, na bankambo, na banane, bah, Francis, ta tourlo, na ouyou, garçon, ouyou, akoukoloué, zou. Donc, le bilata. Donc, Jésus n'a révélé aux hommes que la dimension que Dieu merci, a voulu que merci. Les hommes apprennent de lui. Il n'est pas Dieu. 097 611 99 16. On va chuter avec l'ancêtre incarné. Voilà. C'est-à-dire, mon nom, c'est ancêtre incarné. Tout qu'on y voit marcher Moïse. On voit marcher Moïse Gonapita Campus, numéro à téléphone 099 250 9750. Matoto wa Mungu, niriwa kule akiri rifia kwenda kushia. Miracle ni bitu bule. Kama nilibifanya hapa, bieni kibifanya hapa, batenyambia sema, tunemiambia kanini mazisia, ananza kubidevuale nini peupe. Mm. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Banasema émission ingari kuna fani ni ingari kuna endelea. Je vais demander au père valete permission. Koko bengine valete takwa na abo tutebeba kamfuko kabunga tunenda kubakuria kunyuma. Bengine c'est-à-dire quoi? Bengine tutenda kubakura kabunga. Mungu wa bankam. C'est bon, mina soma Colossiens 1:19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Mungu njo aripenda afanye miracle amwikarishe ule banaita Yesu mkitabu. Na ile mauwezo yote, na ile mamiracle yote, na ile kazi alifanya. Yesu akufundishe mtu kufanya kibao wala kuwa mtu. Wai kuya nani? Mungu. Mwile nosyobe kuna sema Mungu anezu kwa mutu, anezu kufuwa vinae, abe metrize. Shinjo tunasumburaka na bamilamboe, shinjo tunasumburaka na bakatanga. Katanga kana fya kuya ni esprit, atavwale le maungu ila napenda. Shinjo tunasumburaka na bamami wata. Atakuya sa kufwala maungu wa samaiti mea kitoke kudunia hivi, anakuwa mutu. Anavwala mutu, se normal. Esprit ya Mungu, divinite ya Mungu anezu kukala ta mubunyama. Sebukono na Yesu alipaka totem ya le lion de la tribu de Juda. Donc anezu kukala ta mubunyama, anezu kukala ta mukitu. Awa experience spirituelle ya kona madema bintu. Abaya yonaka, abaya yonaka. Shia tuko naona Mungu mushima. Abaya yonaka ta Mungu. Beko na repete bile barome barifua nini. Mungu na palpe ma realite, mon esprit. Beko na repete bile barome bile wanasema.
Unaona kuingia mumai, ba mama wale wentufuata basa kuyua. Butobo kama unakubamba ule nkamba na kubamba atakuweka mumai unafoma tatu wa mwa. Unatoka yulu unapanda yulu kumpemba mweupe maungo yote mzima. Sio unatembea pamoja unatoka ukikavu yulu. Sio na? C'est-à-dire si benyewe hapa, si benyewe hapa tuno si benyewe hapa tunatembea hapa moto. Ndio yenyewe moto yenyewe anachomana naka. Sisi tunakanyanga hapo tu kunatembea. Sio. C'est-à-dire Mungu anawakia baba mumbaji, anawakia infini. Ana mwanzo, ana mwisho, atuye kule alitokea na atuye kule yuko na leo. Mungu ni esprit. Sitaweza kuambia. Memoja rona mkongo. Unasema mzuri Moise. Memoja vile do. Unasema mzuri Moise arona kele mkongo. Sasa ile mkongo ile jusqu'à présent. Mishi yue kama ni ya ngombe kama ni ya ntembo. Njoo mkongo wa Mungu. Njoo mkongo wa Mungu haiwezi kuwa ka hivi. Eh? Njoo ile. Et puis Matthieu 24:36. Ba, Yesu bena muuliza etuambie siku ya mwisho ba mitume yake sio tuambie nini siku ya mwisho wewe kama tunakuona wewe tunamwona nani tunamwona Mungu wewe na Mungu mku nini mku na maana reality ya maisha unafanya nini unayua Matthieu 24:36 akajibu ni moi ni le fils ni le père ni les anges seul le père connaît les derniers jours 099 250 97 50. Tuna mishukuru sana. Mwe mishu atatu tutarudiria. Tutarudiria pa ile pale mishu. Donc, alors mon tana yua ni les anges ni lui ni les fils, n'y a que lui seul qui connaît. Merci, il est chez à parler ou t'en rappeler que tu recevoir pasteur Zaken Esaïe Salela. Ça c'est l'ancêtre incarné qui Toboka Yumba, pasteur du ciel et Évangile Marteau. Un expert en quoi? Voilà, expert en balistique. Voilà, continuez à partager les vidéos, likez, abonnez-vous, partagez. C'est pratiquement fini pour aujourd'hui. Merci, BKM12 Télévision, RTCR, c'est pratiquement la fin. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Sa majesté populique mpiana, Élisée Moulaï, Bénédicte Chilemba, Lokasi Michabou.